Good morning, les Hidden Nessus, les Shemat Moussorji, Betrana, Janine Rune, Batfortune, Mazel Fritna, Claude Shlomo, Ben Shalom et Ishaya, Ben Linda. Si vous souhaitez aussi donner une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous, Yom Sechet, Brachot, Perek, He, Mishnah Gimel. Ha-Omer, Al-Kan, Tzipor, Yagiu, Rachamecha, Delto, Vizacher, Shemecha, Modim, Modim, Meshat, Kinoto. Ha-Over, Lifna, Teva, Veta, Yavo, Acher, Tachtav, Velo, Yeh, Sarvan, Beota, Shah. Deux sujets dans notre Mishnah. Je traduis d'abord la première partie. Après, on explique de quoi ça parle. À Omer, celui qui dit Al-Kan Tzipor Yagiu Rachamecha. Jusqu'au nid des oiseaux sont arrivés tes grâces, ta miséricorde, ta pitié. Ve'alto Vizacher Shemecha. Et pour le bien, qu'on mentionne ton nom sur les choses bien. Modim, modim, on te remercie. Mais chat kinoto, on le fera taire. Soit, d'abord, donc, mise en scène, on est dans une prière en public, et on a un chaliar tzibur qui va dire des phrases inadaptées, non correctes, qui laissent des consonances, des significations mauvaises, qui ont. Alors, selon le. On va avoir trois types d'exemples, et la. Mishnah va me dire, Marc, tu le fais taire. D'abord, une pré-introduction à la Mishnah, c'est que il y a de plusieurs sources, de cette Mishnah en l'occurrence, et de la Gemara aussi, de quelques endroits, ça sous-entend que le sujet des textes de Tfila à prononcer était relativement souple. Il y avait des axiomes admis de tout le monde, et chacun hein, ajoutait ce qu'il voulait un peu. On pouvait même le faire en public. Réellement, on peut, concrètement, ça rapporter dans la race. C'est pas des choses qu'on fait aujourd'hui à notre époque. Une fois, j'ai entendu des gens originaux rajouter une fila spéciale en pleine Amidas, en public. Ça passait vraiment très bizarre. Mais Vachma Kolenu, le cher Tibourg, s'est mis à parler de toutes sortes de décrets que le gouvernement peut faire. Ça sonnait bizarre. Réellement, selon la race, c'est écrit. Mais donc, il y a maintenant, on a une part de la Amida que si on veut, on peut même en public, en théorie, ajouter des textes de tfila que l'on veut. Mais il y a des règles quand tu parles. On ne parle pas devant le roi des rois en disant des choses incorrectes. Il y a une manière de s'exprimer, il y a une qualité, il y a un sens et un contenu de mots à dire. En l'occurrence, on parle dans la première partie d'abord d'une personne qui veut éveiller la rachamim, la miséricorde d'Atik d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il va dire? Le bonhomme Shalolam. Tu as même eu pitié sur le nid d'oiseau, en rapport avec la Mitzvah de Shiloh HaKen, que la Torah a dit, tu ne prendras pas la mer avec le canne, mais d'abord tu renvoies la mer, après tu peux prendre, avec le canne, avec le nid, mais d'abord tu renvoies la mer, seulement après tu prends les œufs, si tu as besoin de prendre les œufs. Parce que c'est une souffrance trop grande pour la mère de voir qu'on lui a arraché ses enfants, qu'on lui arrache ses enfants devant elle. Apparemment, c'est ce qu'on pourrait expliquer dans la Mishnah. Donc du coup, il va faire une tfila en mentionnant que Ribono Shel Olam, tu as même eu pitié d'un nid, mais aie pitié de nous. Une phrase pareille. C'est joli, non? C'est très poétique. Et maintenant, il faut le faire taire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, s'il s'exprime comme ça, c'est qu'en fait, pour lui, quand la Torah nous a dit de ne pas prendre la mer devant les enfants, avec les enfants, alors c'est un problème de Achzariyut, que la mère elle va trop souffrir. Et c'est pas du tout la question, parce que si on avait un souci profond pour la souffrance des animaux, comme tu veux l'entendre en tout cas, eh bien, on ne t'aurait jamais permis de faire la shrita à un animal. Or, tu peux faire la shrita à un animal, alors comment t'expliques? Ah, il n'y a plus de rachamim. Et là-bas, il faut arriver à la conclusion que les mises de la Torah, elles ont donné dans un certain cadre, éventuellement pour éveiller en nous une certaine rachamim, mais pas parce qu'on a pitié de l'animal lui-même, d'accord? C'est un principe général, ça touche, c'est un sujet très très vaste. Et d'ailleurs, sur la mise de Shiloh HaKen, on en parle à Chad Kitetsé, si vous ouvrez le livre Sefer Chinour, il ouvre longuement le débat, est-ce qu'il faut trouver des logiques aux mitzvot de la Torah, ou bien il faut les accepter comme des décrets divins, qu'Hachem a dit qu'on fait comme ça, mais c'est tout, on n'explique pas. Si je ne me trompe pas, la conclusion du Chinour, c'est d'expliquer qu'en réalité, tu ne fais pas les choses parce que, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, quoi, que tu ne fais pas les choses parce qu'on a pitié du nid, c'est pas exactement. Hachem, il a surtout peur de toi, que toi tu sois quelqu'un qui ait de la miséricorde. Pour te dire la miséricorde, il va t'instaurer des mitzvot que de temps en temps, il va falloir actionner la pitié. Mais ça ne veut pas dire qu'on se soucie du bien-être des pigeons, parce que les pigeons, si tu veux, si tu as faim, tu les égorges et tu les fais griller, il n'y a aucun problème.
D'accord? C'est le principe général sur qui en découle. Selon Rambam, ça sort qu'il y a même une discussion sur ça, parce que concrètement, les mitzvot ont une raison ou pas. C'est un très bon débat. Je dis, Mitra Trino, on peut chercher la mitzvah de Shiloh HaKel, on ne sait pas regarder où c'est, on va chercher qui t'es, et dans, pas dans le Mitra, dans le Chinour lui-même, le livre du Chinour, pas le commentateur du Chinour qui est le Mitra Trino. Le Chinour lui-même, il rallonge longuement pour expliquer est-ce qu'il faut des, est-ce qu'il y a des théamim ou mitzvot ou pas. Parce que le livre du Chinour, c'est un livre qui cherche constamment à expliquer les mitzvot, à leur donner une allure, à leur donner un sens, et un point, un contenu, un apport pour nous. Donc ça, c'est la première phrase de la première partie. Il fait une tfila inadéquate, on le fait taire. Idem aussi s'il dit Alto Vizacher Shemecha. Et bon, on veut que tu nous sauves. Comme ça, quand tu nous as fait ces bontés, eh bien, nous mentionnerons ton nom sur toutes les bontés que tu as faites. Ah, tu mentionnes tu évoques la grandeur d'Hachem sur les bonnes choses qu'il fait et pas sur les choses qui se passent mal. Mais il faut être. Mais vrai Khalatova, Vealara, on aura l'occasion de le voir plus loin dans le Mishnayot, que dans le dernier Pérec. Il faut remercier Hachem, même lorsqu'on a des choses plus compliquées. Tout est pour notre bien, tout est pour les caparotes, et tout a pour but de nous réprimander et de nous corriger, même ce qui a l'air moins agréable. Donc du coup, tu peux faire une fille en disant « Alto vizachar shemecha » aussi celui-ci, pensons de ça dans cette fille, on fait taire. Ou encore quelqu'un qui va me dire « Modim, Modim » en public, on parle qu'il n'est pas tout seul, il dit « Mais je te remercie Hachem que tu m'as fait démonter, je te remercie Hachem que tu m'as... » Il répète sans arrêt le mot modim modim. On le fait taire aussi parce que quoi, tu remercies ce dieu-là, et tu remercies ce dieu-là, et tu remercies à qui tu dis modim modim. D'accord? C'est le principe. Donc, des tfilotes mal prononcées comme ça, où elles sont mal exprimées, avec des défauts profonds des fois, eh bien, on le fait taire. Fin de la première partie. Deuxième partie. A ouvert les fina teva, veta'a. Ya'avor acher tartav. Celui qui va être ouvert les fina teva, celui qui va monter à la teva, à l'arche, c'est-à-dire qu'il va faire la tefila en public, c'est le Shalach Tzibur qui monte faire la tefila en public, veta, et il s'est trompé, il s'est embrouillé. Yavor Acher Tartav, on prendra quelqu'un d'autre à sa place. Il a commencé à faire cette tefila, alors je pense, de nouveau, que c'est plus à l'époque, ce sont priés sans sidourim, et on a parlé, donc il s'exprimait de manière un peu, il y avait une, je dis, il y avait une base, mais il y avait aussi de la spontanéité. Et puis ici, s'est embrouillé, il a commencé à s'emmêler les pédales, il a surtout dans une bracha, il y avait un ordre à garder, et puis il ne va plus pouvoir retrouver le fil de ses idées. Dès qu'il s'est trompé, il y a quelqu'un d'autre qui monte à côté, il lui dit, je suis calme, et moi je continue là-dessus là, et il reprend de là où il en était, il continue plus loin. D'accord? Donc c'est ça, à ouvrir les fins de la teva, celui qui passe devant la teva, donc qui descend, qui va faire la teva à la teva, sur l'arche, l'armoire, c'est-à-dire on priait sur la teva, on met ses vertebras. Vetara, alors là, Yavor Acher Tartav, on fera monter quelqu'un d'autre à sa place. Et maintenant, sur cette personne qu'on va dire, vas-y, vas-y, va le remplacer. Veloye Sarvan Botacha, il n'a pas le droit d'être refusé à ce moment-là. En général, lorsqu'on m'invite à être Chaliar Tzibour, alors il ne faut pas sauter et dire, oui, je veux faire. Allez, monte. Non, non. D'abord, on refuse, par humilité. Dans le sens, je ne suis pas apte à prendre une responsabilité tellement grande. Mais par contre, on n'a pas le droit de trop refuser. Dès que je te demande une deuxième fois, tu es obligé de monter. Parce que là, si tu vas être trop humble, alors ça en réalité, c'est l'orgueil. Donc il faut que tu refuses une première fois, et puis la deuxième fois, tu acceptes. Ça, c'est en général. Mais lorsque tu dois remplacer maintenant un Chaliar Tzibour qui s'est trompé, tu te dépêches de te lever et de partir le remplacer. Ok? J'ai d'ailleurs, peut-être je continue d'abord une halakha, j'ai déjà vu un cas très original, ça s'est passé une fois devant moi. Non, je vous le dis tout de suite, allez, c'est pas grave. Il y avait un Chaliar Tzibour, incompréhensible, ça arrive des fois, il fait cette fille-là, il fait cette fille-là, et d'un coup il est pris par une toux, il commence à tousser, et il essaie de rendre, et rien qu'il s'égorge. Il y avait quelqu'un à côté, il est monté à la teva, il a dit, je continue, et il a commencé, il en était à la minime, il a repris, au minayin ou matril, à quel endroit il reprendra, mitrilat abracha shetaba, depuis le début de la bracha où il était, c'est-à-dire, c'est là qu'il commence à dire, la minime alav alshinim altetikva, vechol azedim kiriga yubedu vechol yuvecha, ou bien, il ne sait plus où l'on était. Celui qui va venir le remplacer, il ne va pas dire Mereik et tout. Non, tu reprends depuis la Minyan Machinim, le début de cette bracha, là où tu étais, tu le reprends depuis le début, d'accord? Minayinu matril, mitrilat abiracha, sheta abba. Depuis le début de la bracha où il s'est trompé, et comme nous dit le Barthénora, par contre, si c'était dans les trois premières brachot,
de la Amida, il faut savoir que les trois premières Amidot, c'est un groupe de trois qu'il ne faut jamais bouger. Si c'est trompé, même à la fin de Atakadosh, il n'arrive plus à continuer cette fila, plus il n'arrive plus à venir, eh bien on prendra celui qui montera la place et refera tout depuis le début. Idem aussi pour les trois derniers. Bon, en plein modim, il est sa perte et la nijama qui sort. Alors là, celui qui est à côté, il reprendra depuis Ressé, parce que les trois derniers mois, c'est un seul groupe. C'est comme ça que c'est rapporté dans le Tosot avec Yvegir ici. Donc, Minaïno Matril, à quel endroit il devrait reprendre Mitrilata Bracha Shetaaba, depuis le début de la Bracha où il a commencé à se tromper, où il s'est trompé. Depuis le début de cette Bracha, celui qui va le remplacer, il le remplacera. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Selah.